Bonjour et salut tout le monde, c'est Laser. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé du e-sport spécial Tour de France du 9 juillet. Donc aujourd'hui, l'étape d'hier. Donc on va commencer par l'étape d'hier. Hier, nous avions Nîmes-Carcassonne. Donc une étape de 219 km, on va dire 220, avec un col de catégorie 4 au 51e km et un sprint intermédiaire au 104e km. Donc voilà un petit résumé de l'étape. Bon, bah, comme je vais faire maintenant, c'est une petite image, n'a rien à voir, et une image de l'arrivée. Donc nous allons voir tout de suite qui c'est qui a gagné. Donc le classement de l'étape de Nîmes-Carcassonne, c'est donc Marc Cavendish qui s'impose. Il égale donc le record d'Eddy Merckx. Donc Cavendish est poursuivi par Morkov, Philipsen, Cortina et Van Poppel. Du côté du maillot jaune, c'est toujours Pogacar qui le détient, suivi de Horan, Vingegaard, Carapace et O'Connor. Ça ne bouge toujours pas. Pour le maillot vert, Cavendish, Matthews, Philipsen, Colbrelli, Alaphilippe, c'est un classement qui ne change pas non plus. Le classement du maillot à poids ne change, c'est pareil, il ne change pas, donc c'est toujours Quintana qui le porte, avec comme poursuivant Van Aert 2e, Woods 3e, Poels 4e et Mollema 5e. Du côté du maillot à blanc, bon bah, comme le maillot jaune, c'est Pogacar qui l'a, ça ne bouge toujours pas depuis le début. Donc Pogacar est suivi par Vingegaard, Pintre, Godu et Higita. Les dossards, donc les dossards de la meilleure équipe sont attribués toujours et encore et toujours et encore à Bahrain Victorious. Et le dossard du meilleur combatif à Monsieur Pacher, je crois que c'est Ethan Pacher. Aujourd'hui, donc l'étape d'aujourd'hui qui a eu lieu, parce que au moment où je vous parle, il est déjà terminé. Mais le résumé ne sera que demain. Donc on commence donc à Carcassonne, donc le kilomètre 0 et quelques kilomètres plus loin. Donc au bout du 50e kilomètre, on a le col du bac, un col de catégorie 3, suivi d'un sprint intermédiaire au 76e kilomètre, un col de catégorie 2 au 89e kilomètre, le col de Montségur, au 110e kilomètre, le col de la Croix des Morts, col de catégorie 2, au 126e la côte de Galinag, col de catégorie 3. Et pour terminer, à 166e kilomètre, un col de catégorie 2, le col de Saint-Louis. Pour terminer enfin à Killan, au bout de 183,7 km. Je vous retrouve demain, il me semble. Je crois que c'est moi demain. Donc c'est moi ou Nia ou Coca, peut-être, parce qu'il va bientôt revenir. Bon, bref, on se retrouve demain. C'était Laser. Bye bye.